Bonjour, c'est Marlène de la chaîne Les Passions de Marie. Aujourd'hui, je vous fais un vidéo déballage de d'une commande que j'ai passée chez Fancil. Ça fait peut-être une semaine que je l'ai reçue. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai pris. Fait que c'est pas un partenariat, là, c'est vraiment. Ben, c'est ça. J'ai craqué, fait que j'ai pas pu m'empêcher de commander. Fait qu'il va y avoir du point de croix puis un diamond painting. Fait qu'on va commencer par le diamond painting que j'ai pris. J'essaie de vous trouver l'image. Bon, on va le déballer parce que j'ai pas l'image. L'image de sortie. Puis, c'est un diamond painting qui est quand même beaucoup coloré. Ah, oh, j'ai l'image là. Alors, c'est Titi avec son parapluie. Fait que ça devrait être assez coloré. Fait que je l'ai pris en diamant carré. Parce que moi, je préfère les diamants carrés. Fait que tu sais, c'est quand même assez grand. Fait que tu sais, c'est une 50 par 50 cm. Puis, va être beau, hein? Fait que c'est ça. En fait, on est supposé avoir 40 couleurs. Fait que dans notre kit, on a une barquette, deux pains, puis un stylet que je me sers pas. Puis on a les diamants comme ça, là, en petit sachet. Oh, c'est un diamant rond. Moi, j'avais demandé un diamant carré. On regarde sur la toile. Ça a l'air du carré. Bon, je sais pas ce que ça va faire parce que sur la toile, on voit bien que c'est. Ben, je sais pas où. C'est-tu du rond? Ah oui, c'est du rond. Dans le E, on le voit. Ok. Parce que moi, je me suis fiée à la légende là. Je vais regarder vraiment si j'ai commandé en carré ou en rond. Mais il me semble que c'était en carré, j'avais demandé. Mais en tout cas, bref. Si ma toile c'est pour diamant rond, on va être correct là. Mais c'est sûr que. Ouais, ça a l'air d'être une toile en diamant rond. Bon, parce que ici, dans le symbole là. On voit que c'est des ronds. Fait que ça devrait être correct. Mais bon, en tout cas, ben, ça va être en diamant rond, finalement. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a des belles couleurs. Fait que c'est ça qui m'a plu, là, sur cette toile-là. Puis, ben, les diamants. On a quand même un bon paquet. Fait qu'on a des beaux bleus, des verts. Des oranges. Et des belles couleurs. Fait que je me suis dit, oh, il y a un beau violet, là. Je me suis dit que ben, pour l'été, ça sera le fun. Avoir une. Là, ici, on a des beaux jaunes. Fait que ça sera le fun, justement, avoir une toile bien colorée pour l'été. Celle-là, c'est sûr que je passe pas à la faire pour le moment parce que je suis sur un diamond painting assez grand, qui est une toile de Dragon Ball en diamant carré pour mon petit copain. Fait que j'en ai pour un petit bout, je pense. Fait que j'ai commencé, mais c'est ça là. Ça sera pas terminé demain matin. Fait que j'avais pris ce kit-là. Là, je me souviens plus des prix, hein. J'ai pas relevé les prix non plus. Mais bon. Après ça, j'ai pris. En point 3, j'ai pris une housse de coussin ou une tête d'oreiller. En tout cas, bref, c'est la même affaire. De Alice. Fait que ça, j'ai ouvert parce que je voulais vérifier si j'avais toutes les fils. Puis, j'ai toutes les fils. Alors, ben. C'est ça. C'est la belle Alice avec il y a des petits chats un petit peu partout.
Fait que ça me plaisait parce que les têtes d'oreiller, ben là, c'est la troisième que j'achète. La première que j'ai pris, la première que j'ai achetée, en fait, c'était des fleurs, mais tu sais, c'était au début, là, qu'ils commençaient à faire des têtes d'oreiller. Fait que les images me plaisaient pas tant que ça. Mais en tout cas, j'ai pris ça. Puis, sinon, j'ai une Harry Potter aussi que je pensais faire justement pour le sale tête d'oreiller sur le groupe Les Petites Brodeuses. Ouais. Mais que finalement, j'ai pas commencé. J'ai pas. Je me suis pas inscrite à cette salle-là. Mais là, je pense fort bien commencer cette toile-là pour la sale tête d'oreiller. Fait que je vais vous montrer le patron qui est sur la même feuille. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'il y a quand même des grandes zones de blocs, là, comme ici dans la robe. Ici, là. Mais, beaucoup de changements de couleur, quand même, là. Dans les chats, je m'attendais pas à autant de... Mais, tu sais, ça suit, mais... Ah, c'est ça. Je pense que je vais vraiment y aller deux carrés de haut, puis tasser vers la droite par la suite, comme certaines toiles que je fais. Parce que si j'y vais... un peu à l'aveuglette, je risque de m'y perdre un peu. Alors, on a un tout le kit avec le petit colibri, avec l'enfil aiguille, les aiguilles, puis l'anneau. Après ça, nous avons la tête d'oreiller. Bon. Là, c'est un apprentissage parce que je comprends pas trop comment que. Comment qu'on fait pour, après ça, un coup que c'est brodé, le mettre la fermeture du bonbon. Fait que là, j'allais voir des vidéos. Parce que quand ça l'arrive demain. Avec la... Voyons. La toile à la deux est en dessous, comme ça. Puis ça, c'est le... l'autre côté de la tête d'oreille. Puis, ben, quand ça l'arrive, c'est déjà zippé. Fait que là, pour ouvrir, il faut dézipper, mais à l'envers. Tu sais, il faut comme forcer le zipper. Puis, pour que ça s'ouvre comme ça. Mais là, un coup que c'est ouvert. Parce que là, moi, mon zipper, il est là. Mais je vois bien qu'il est à l'envers. Tu sais, même si je la rezippe, ça va zipper demain. Fait que je comprenais pas trop. Fait que je suis allée voir encore des vidéos parce que, ben, c'est ça. Moi, j'aime ça savoir où est-ce qu'on s'en va avant de commencer. Puis, en fait, j'ai réussi à comprendre que, dans le fond, faut zipper. Comme ça. Bizarrement. Mais un coup que c'est fini, faut zipper. Puis, faut zipper, mettons, jusqu'ici, à mi-chemin. Mettons, jusqu'au coin. Puis, après ça, on revire la housse à l'envers, comme pour virer des pantalons de pyjama à l'envers. Fait que. Puis là, la fermeture est claire, elle va du bon bord pour finir à zipper. Fait que, en tout cas, là, j'ai plus compris, mais je comprenais pas comment que. Puis c'est ça, moi je pensais que ma fermeture à éclair était à l'envers. Mais là, je me suis crime sur mes trois kits, ça se peut pas que mes trois. Les trois sont à l'envers. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la toile. Fait que là, c'est sûr que dans les coins, tu sais, c'est sûr qu'eux autres, ils font les coins ronds. Mais de toute façon, au lavage, ça va partir. Fait que c'est sûr que ces petits points-là, dans le coin, ben moi, je les ferai pas, parce que ça va être l'autre bord du... de la couture, là, qu'on va zipper. Fait que tu sais, si on les fait, ça fait comme... la trou. J'y ferai pas. Mais sinon, on est capable de faire les autres points. Fait que ça, c'est en bas. Ça, c'est l'autre coin. En tout cas, on fait ce qu'on peut. De toute façon, même que ça va être laver les points qu'on n'a pas fait, ça va devenir, tu sais, blanc comme ça. Fait que, tu sais, c'est pas... ça paraîtra pas tant, là, finalement. Puis en haut, ben en haut, c'est pareil. Là, en haut, c'est sûr qu'on a
On a le petit zipper qu'il va falloir qu'on niaise un peu avec. Mais, tu sais, ça a l'air quand même bien. Tu sais, on est capable de faire les points, là. Fait que. C'est sûr que. C'est ça. Dans les coins, ça va être un petit peu plus ardu. Ces sites-là. En tout cas, je verrai si je vais être capable de faire ceux-là du coin-là, mais. C'est les rouges, je vais être capable, mais les verts, je sais pas. En tout cas. Mais sinon, la toile, elle a. Bon, j'ai même pas. J'ai pas la légende sur ma tête d'oreiller. Donc, on va regarder le patron. Donc, on a 42 couleurs. Puis là, vous voyez que j'ai déjà vérifié les fils. Parce que, ben, c'est ça. Je voulais vérifier, j'avais toutes les fils. Puis, sinon, la toile est quand même bien imprimée. Là. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on ait des problèmes. C'est sûr que du rouge foncé de même. Puis du rose. Ben, ça a l'air correct quand même. Ouais. De toute façon, en allant par la suite de carrés de haut, puis se tasser, ça devrait simplifier beaucoup les choses. Alors. Ça, c'est la toile. Fait que ça, c'est des toiles, là. Je pense pas que c'est Aishu. Parce que. Ben, c'est marqué Yet. Mais je pense pas que c'est Aishu. Mais je sais pas c'est quelle compagnie. Quel fournisseur. C'est une 45 par 45, comme toutes les têtes d'oreiller. Fait que je vais vous montrer les fils. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Fait que je vous montre pas par cartonnette parce que là, ils sont tous démêlés de 1. Sont démêlés de 1 à 42, juste qu'en arrière. Mais ça va vous donner une idée quand même de la chose. Fait qu'on a quand même beaucoup de violet. On a des beaux roses. Des bleus. On a un jaune là, peut-être. Puis, du noir, on n'en avait pas beaucoup. On avait qu'un petit. Un tout petit peu, là. Je pense que c'est ça. Il n'y en a vraiment pas gros. Donc, on a du bleu, du rose. Il y a vraiment beaucoup de rose puis de mauve. Fait que c'est un beau petit bleu, là. Fait que c'est vraiment des très belles couleurs, là, qu'on a pour cette toile-là. Puis, regardez comment c'est beau. On a des petits verres. Un petit verre de même. C'est jaune. Non, c'est vert. Ah, je suis dans mon sous-sol, là. Fait que c'est pas. L'éclairage n'est pas super. Mais c'est un beau petit verre. Non, ça, c'est jaune. Il me semble que j'avais des verres. Ah, j'en ai un, là. Non, c'est jaune. Voyons. Bon, ben, j'ai pas de verre. Mais, ouais, c'est ça, l'éclairage n'est pas super dans mon sol. Il faut que je change les lumières de néon. Mais, en tout cas, c'est de très belles couleurs. Fait que ça, ce kit-là, je me souviens plus combien il coûtait non plus. Parce que, ben, je vous ai fait. Je vous tourne la vidéo un peu sur Fly. Parce que je trouvais que c'était le seul moyen que je pouvais vous filmer ces temps-ci, c'est bien compliqué. Fait que c'est ça. Okay, ça vous donne quand même un petit aperçu là des couleurs mélangées. C'est des très belles couleurs. Fait que ça, j'ai hâte de faire ça. Ça va me prendre un certain temps quand même, hein, parce que quand même pas tant bloc que ça. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de détails. Je pensais pas avoir autant de détails en fait. Parce que. Ben, c'est ça. Je pensais que c'était quand même beaucoup bloc là par les chats. Finalement, non. Donc, on va ranger ça. Parce que j'ai d'autres kits. Je voudrais pas mêler ben, mes kits. Fait que ce kit-là, je vais l'inscrire sûrement pour la salle de la tête d'oreiller.
du groupe. C'est un groupe Facebook de. Les Petites Brodeuses. Fait que si vous voulez le rejoindre. Ben, si vous voulez nous rejoindre, les administratrices, c'est Mimic et ses loisirs. Il y a. Minimeux. Ah, elle a changé le nom de sa chaîne. Petite croix en pagaille, je pense. Ouais, en tout cas. Puis, il y a Kiki, la petite brodeuse aussi, qui est administratrice. Puis, il y a Laure, que sa chaîne, c'est quoi? Oh, je me souviens plus du nom de sa chaîne. Parce que, c'est ça. Quand il change de nom de chaîne, là, je viens un peu mêler. Mais bon, en tout cas. Un autre kit que j'ai pris. Ah non, ça c'est un kit que j'ai pas pris. C'est en fait, quand vous commandez chez Fancy, vous avez le choix de prendre un cadeau. Quand vous avez atteint un certain montant, vous pouvez prendre un cadeau soit de Diamond Painting ou soit de Point de Croix. Puis c'est un kit aléatoire. On peut pas savoir c'est quoi. Fait que, ils m'ont envoyé, je vais vous montrer l'image. Moi, je connais pas ça. Ben, j'ai déjà entendu parler, mais je connais pas personnellement. Ils m'ont envoyé cette image-là. De, je pense c'est Totoro ou Toroto. C'est ça, je connais pas trop ça, mais ça me c'est Totoro. Ouais, en tout cas. Fait que j'ai trouvé, ben j'ai reçu cette image-là. Oh, pas là. Bon, ok. J'ai reçu cette image-là. Puis, Oh my god. Bon, en tout cas. Fait que ça, c'est le patron. Fait que je vous dirais que le oh, pas là, c'est ça. C'est que le patron, il est en haut. En haut, là, ça a bien été. Ça s'est bien passé. En bas, ça s'est un peu mal passé. Fait qu'on a du... Mais tu sais, c'est assez bloc. Fait que, tu vois. Mais ça a bavé quand même pas mal. Mais surtout là, là. Mais ça, on voit les chiffres, puis il n'y a pas vraiment de confetti. Fait que... À voir qu'est-ce qui va se passer. Mais on est supposé d'avoir 35 couleurs. On est ici, 35 couleurs. Puis, ben, cette toile-là, ben, je vais sûrement la faire un jour. Mais, je sais pas quand. Parce que, ben, c'est ça. C'est pas une toile que j'ai choisie. Puis, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que je connais vraiment en tant que tel. Mais, c'est quand même une belle image, là. Tu sais, l'image, elle me plaît quand même. Puis, j'ai regardé sur le site, puis sur d'autres sites, si je trouvais pas cette image-là, et j'ai pas trouvé. Fait que, probablement que, ben, je pense que les kits qui donnent en... comme en mystère, là, que tu sais pas qu'est-ce que t'as reçu, ça doit être des kits qui... qu'on sont plus capables de recevoir. Parce que, en fait, Gwen, de la chaîne Minimeux, elle a reçu une toile de Dragon Ball, mais... je la trouve pas, la toile de Dragon Ball qu'elle a reçue. Mais d'après moi, c'est des toiles qui sont plus capables d'avoir. Puis que là, ils essayent de les liquider comme ça. Je sais pas, en tout cas. Alors, j'ai un toolkit. Un bœuf musqué. Avec un enfil aiguille. Un pompon, puis des aiguilles. Après cela, j'ai... la petite feuille d'instruction que je me sers pas tant. Juste regarder. Ouais, je sais pas c'est quelle compagnie parce que c'est ça, c'est à 11CT. Mais c'est pas à Chou. En tout cas, je sais pas c'est quelle compagnie c'est ça. Puis, on a la toile. La toile, je sais pas de quoi qu'elle va avoir de l'air. C'est quand même assez grand, hein? C'est 40 par 60. Puis, ben, où est-ce que ça bavait, en fait?
Ben, ça va sur la toile, là. On voit très bien. Tu sais, la toile est très bien imprimée. Puis, elle est surjetée des quatre côtés. Fait que, c'est ça. Mais, tu sais, sans que ça soit quelque chose qui m'attire tant que ça, tu sais, je pense que ce serait quand même super à faire. Parce que, tu sais, c'est quand même clair. Hein. Puis, il y a quand même des grandes eaux. Tu sais, pour une toile, mettons, tranquille en avant de la télé, ça ferait la job. Puis on peut justement. Parce que tu sais, moi, c'est sûr que fait, mettons, du 28. Tu sais, à un moment donné, je me tanne. Fait que, mettons, ça se peut que je fasse du 31, ça se peut que j'en revienne, tu sais. C'est ça. Dans les grandes zones, bloc de même, j'aime ça. Un peu changer de couleur, là, parce que maintenant, c'est ça. Puis on a les petits oiseaux là. Puis ici, on avait des poissons. Ouais, on a les poissons qui sont là. Mais c'est. Ça doit être une méduse. Mais ouais, c'est pas quelque chose que je connais vraiment. J'en ai entendu parler, mais c'est pas. C'est ça. Je connais pas trop ça. Mais bon, mais c'est quand même un beau kit, là, pour le patron qui a bavé. Mais la toile, on va s'en sortir avec l'impression de la toile. Puis les fils, ils viennent avec une cartonnette. Et ça, c'est super. Ça m'évite de mettre sur une cartonnette plastique. Fait que, on va regarder les fils. Déjà là, on a deux tresses de bleu. Fait que ça, c'est pour le fond parce qu'on a quand même beaucoup de bleu à mettre. Fait que c'est du 966, probablement. Ouais. 996, tout dépendamment. Quel côté qu'on on a gamme, on verra tantôt. Puis, on a les autres couleurs. Donc, on a dit qu'on avait vraiment de couleurs. 35. Bon, à première vue, on a toutes les couleurs. C'est déjà ça de bon. Alors, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on a des belles couleurs, hein, quand même. Des beaux bleus. Et c'est plus bleu ciel que bleu pétant, là. On a un beau rouge Noël, là. Des beaux turquoise. Puis, de l'autre côté, on a du bleu foncé, des bleus. Il y a beaucoup de bleus. Avec des beaux violets quand même aussi. Quelqu'un qui aime le bleu, ben, c'est ça. Vous allez être ravi. Fait que, ce kit-là, je peux pas vous dire comment qui se détaille, si jamais il vous intéresse. Mais, c'est ça. Ça veut pas dire que si vous mettez un kit de Pointe-Croix aléatoire dans votre panier chez Fancy, ça veut pas dire que vous allez recevoir ce kit-là. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait. En espérant recevoir le kit que Gwen avait reçu de Dragon Ball. Puis, ben, c'est ça. J'ai pas eu le kit de Dragon Ball. Fait que c'est vraiment aléatoire. Mais tu sais, je me doutais que. Je vais juste l'emballer. Je me doutais que les chances étaient quand même assez minces qu'on reçoit toutes les deux le même kit, là. Mais, en tout cas. Bref, c'est pas grave. C'est quand même une belle toile avec des belles couleurs. Puis. Sait-on jamais, peut-être que je connaîtrais peut-être quelqu'un qui est fan de Totoro ou quelque chose, que je pourrais lui faire puis lui offrir. Parce qu'il y a quand même plusieurs. Bon, ça fait un peu. Ça avait pu coller. Il y a quand même plusieurs images de Totoro, mais pas celle-là. Fait que. Après ça, un autre kit que j'ai pris. J'ai vu beaucoup de choses finalement dans cet emballage-là. J'ai craqué pour cette toile-ci. Fait que c'est une DIY.
Là, sur le site, c'est pas marqué que c'était une DIY, mais bon, c'est ça. Fait que moi, j'aime beaucoup les toiles saison. Fait que dans ce kit-là, vous avez, ici, vous avez hiver. Si vous tournez, vous avez automne. Ici, vous avez printemps, sûrement. Puis ici, vous avez été. Mais là, on voit pas grand-chose à cause des étiquettes, là. Mais c'est ça qui me plaisait, que c'était les cinq saisons sur une même toile. Puis, comme sur un de chaque côté. D'accord, je vais vous remontrer été, parce qu'on voyait pas grand-chose. Ça, c'est été. Puis, le décor, ça a l'air d'être la même petit cabanon, là. Ça a l'air d'être ou c'est une serre, ou je sais pas trop, mais c'est la même... le même cabanon. C'est juste qu'il change de couleur, en fait. En tout cas, c'est ça. Là, voir le rendu, qu'est-ce que ça va donner, là, c'est une autre chose. Parce que là, DIY, pas trop d'en demander. Alors, on va commencer par le début. Ici, nous avons le patron. Alors, très, très, très petit. Avec 25 couleurs. Puis, c'est ça. Mais il est quand même bien, là. Mais je pense que mon téléphone et agrandir la photo, c'est la meilleure option. Fait que... en espérant que la toile, elle va bien aller. Mais avec le patron de même petit, c'est pas l'idéal. Ensuite, la toile. Elle ressemble à ça. Puis les DIY, ils sont pas surjetés des quatre côtés. Ils sont juste coupés, là. Ils sont bien straight, rien. Pas de couture, rien. Ici, j'ai un côté lisière. Fait que ce côté-là, c'est sûr, j'ai. Tu sais, ça peut pas s'effilocher. Mais, c'est ça. Fait que déjà là, en partant, il faut que je fasse ma couture tout le long. Pour éviter que ça s'effiloche. Mais on a quand même des bonnes marges avec DIY, quand même. Fait que si on met sur un Q-Snip, on est correct là pour le mettre puis être capable de broder ses côtés. Parce que les marges sont quand même assez larges. Mais côté impression, là, c'est la toile, là. Parce qu'on se rappelle que le patron, c'est pas top. Mais l'impression, ben, c'est du coup. C'est ça. C'est pas super non plus. Fait que je pense que si on regarde ici dans les foncés, c'est pas facile, là. Fait que je pense que la meilleure option, ça va être vraiment d'y aller encore une fois carré de 2x2. Puis de le suivre avec le téléphone en prenant une photo du patron, de la section. Puis en agrandissant avec le téléphone. Parce qu'il a dit, ah ouais, là, à part ça, j'ai pas trouvé d'autres méthodes pour faciliter la chose. Fait que c'est une 40x40, c'est pas tant grand. Ensuite, les fils. Les fils sont sur cartonnette aussi. Ça, c'est bien. C'est pas que c'est pas bien quand ils sont pas sur cartonnette, c'est juste que ça m'évite une étape de plus à vérifier les fils puis à les mettre sur une cartonnette. Parce que, ben, c'est ça. Là. Moi, c'est les petites cartonnettes individuelles, ben, moi, je garde pas ça là-dessus. Parce que ça fait trop d'affaires à gérer. C'est... non. Puis, ben, moi, je brode sur le divan. Ben, tu sais, si j'ai des cartonnettes, puis mon fil, puis ma toile, puis le patron, là, ça fait beaucoup de choses à trop d'affaires dans le même coin. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je mets tout sur cartonnette. Après ça, ben, je suis sûre que j'ai tout en même place. Fait que les fils, on a ça. Fait qu'on a des beaux bleus, des bruns. C'est sûr que, tu sais, automne, on s'entend que ça va être pas mal dans le brun puis dans le jaune. Des belles couleurs de même. Puis, celui-là. C'est des belles couleurs, là, quand même. On a un beau rouge pétant, là. Un beau petit rose violet.
Ouais, c'est des belles couleurs, mais c'est ça. Là, je baisse. C'est sûr, j'aurais aimé ça savoir que c'était une DIY, mais bon, c'est pas grave. On va faire. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais. J'ai remarqué quelque chose, car moi, quand j'ai reçu. Là, vu la grandeur de la toile, je suis quand même sceptique du rendu. Parce que, vu l'image, c'est, tu sais, 40 par 40 cm, je suis vraiment pas sûre que ça soit vraiment top comme rendu et détail. Fait que, puis il y a quand même pas mal de détails, là. Juste dans la petite cabane, tu sais, il y a des lignes pour les fenêtres. Il y a, tu sais, les petites feuilles. Est-ce que ça va être un amas de... Ça, c'est quel bord? C'est l'autre. Ouais, non, peut-être pas, finalement. Tu sais, ils ont quand même pas mis ça tout dans le même ton. Fait que, tu sais, ça devrait être pas si pire. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est ça. Ça, c'est les trucs de foin, là. Tu sais, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, les paquets de foin, mais tu sais, en petits paquets, là. Mais je suis pas sûre, moi, que ça va bien, bien, bien vendre. Parce que, avoir le. C'est ça. Avoir ça, c'est ça. Puis, en bas là, ça, c'est un petit sapin. Puis, en tout cas, je sais pas. Je suis vraiment sceptique. On verra. Mais c'est sûr que dans la cabane. On verra pas les lignes. Tu sais, la cabane là. Le cabanon là. Tu sais, il y a des éléments dedans. Puis ça, on regarde lui. Qu'on voit plus les lignes dans les fenêtres. Et si on regarde automne. Tu sais, je pense pas qu'on va avoir nos lignes dans nos fenêtres. On voit les fenêtres, mais. En tout cas, c'est ça. Je suis sceptique. Sceptique du rendu. Puis j'ai oublié de vous montrer, on a nos deux aiguilles piquées là. Mais en tout cas, fait que on a ce kit là. Que il était pas tant cher non plus. Fait que je me souviens plus c'était combien, mais je sais que c'était quand même pas mal abordable. Mais des DIY, j'en ai quand même pas mal là, parce que au début, ben, c'était pas inscrit sur les sites, hein, quand c'était des DIY. Puis là, ils commencent à les inscrire. Mais pas sur tous les sites, évidemment. Mais bon. Ils commencent à les inscrire, mais tu sais, au début, quand on commence dans le point de quoi, tu sais, on check pas trop, on connaît pas trop ça non plus. Fait que. Ça. Au début, les principaux kits que je recevais, c'était des DIY. Puis, ben, maintenant, j'ai commencé à faire plus attention pour avoir plus des kits. Plus regarder la description, puis essayer de deviner c'est quel fournisseur. Mais, en tout cas. Mais, tu sais, c'est pas grave, là. Tu sais, c'est juste que, ben. Tu sais, c'est moins détaillé, il y a moins de couleurs. Fait que c'est sûr que, en bout de ligne, c'est moins. Mais tout dépendamment aussi du kit. Parce qu'il y a des kits qui n'ont pas besoin de tant de couleurs, puis le rendu il est super beau. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de l'ensemble de toutes les choses. Après, il nous reste encore deux kits à vous montrer. Je m'en viens à bout. Fait que, j'ai commandé un autre kit de point-coin. Que c'est à cause de tout ça que j'ai passé une commande. De ce kit là. Alors, je vous montre l'image que j'ai pas pu passer à côté. Elle sera pas bien longue. J'essaie de déplier. Bon. Alors, c'est une issue. Et c'est cette image-là. Fait que ça fait quand même une couple de fois que je la vois. Puis je me suis dit, ah non, pas tout de suite.
Parce que les couleurs, ben en fait, ce qui me mettait à hésiter, c'est que les couleurs me plaisaient pas tant. Ben, tu sais, c'est beaucoup de brun, c'est ça la fille. Mais c'est quand même. C'est quand même un dessin animé de mon enfance. Fait que j'ai dit, ben, je vais le prendre pareil. Alors, c'est une nice chou. Salut bébé. Oui, elle vient nous dire bonjour. Et voici le patron. Alors, le patron est, ben, il est très bien. Il est super. Puis, on est supposé avoir 28 couleurs. Alors. Là, ce qui me plaisait aussi, c'est que c'est comme des petites fenêtres, là. Tu sais, sont comme toutes séparées. Ils sont pas toutes dans le même mouton. C'est ça qui me plaisait. Puis avec Bugs Bunny dans le milieu avec sa carotte, puis tout ça, puis les écritures. Fait que, c'est ça. Ça me plaisait vraiment beaucoup. Fait que, l'impression est super belle. Ici, là, ce symbole-là, je trippe pas tant parce que c'est brun, c'est ça. Ça, je trippe pas tant. Mais bon, c'est le seul. Quasiment les seules places où il y en a. Il y en a un petit peu là. Mais, tu sais, c'est parce que visuellement, on dirait comme une tache de je sais pas quoi, là. Tu sais, c'est. C'est ça. C'est pas un symbole que je trippe tant. Mais bon, en tout cas. Fait que mon planning, mais que je fasse ça, ça va d'y aller vraiment. Par section, de même carré, par vignette. Puis aller. Ben, tu sais, sans les faire à la suite, je pense que je vais vraiment y aller par section. Tu sais, mettons, si je prends lui, ben, ça se peut, tu sais, que je fasse. Je commence par son nez, après ça, je fasse ses yeux. Puis que je finisse par le fond après. Puis après ça, ben, tu sais, je peux faire un. Le poulet. Le poulet, je me souviens plus c'est quoi son nom. Mais le poulet. Avec son. C'est son fils, je pense. En tout cas. Mais c'est ça. Je pouvais pas passer à côté de ça. Fait que, ben. J'allais commander, finalement. Puis, j'attends impatiemment. Mais j'attends. J'ai fait une demande à Gwen. Je sais pas si ça va se rendre. Mais j'ai quand même demandé à Gwen si jamais il pensait peut-être faire un sale dessin animé. Mais je sais pas. Il y a quand même beaucoup de salles là, qui ont dans le groupe Facebook Les Petites Brodeuses. Fait que, en tout cas, c'est ça. J'ai fait une demande, mais est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Je sais pas. Fait qu'on a un toolkit. Avec en fil aiguille, pompon rose et aiguille. On a ça. On a la toile. Oh là là. C'est quand même assez grand, hein? Ouais. C'est puis c'est surjeté des quatre côtés. Vraiment, là, à Echou, tu sais, j'essaie le plus possible de prendre cette compagnie-là parce que, ben, c'est ça. Un coup que tu as goûté à une Echou, tu veux plus, ben, pas que tu veux plus les autres, mais. Tu sais, c'est ça. T'essaies le plus possible d'avoir des Echou. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme par carré. Vous voyez pas. C'est comme par carré. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne méthode, là, d'y aller vraiment par. Puis là, j'ai pas compté combien de carrés. 2, 3, 4, 5, 6. 6 par 3, 4, 5. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, fait que 6 par 5, fait que 30 carrés. Ouais. Puis on a le milieu, là. Le milieu, ben là, c'est sûr que c'est peut-être moins que 30 parce qu'on a le grand milieu qui fait. Qui cache quasiment 6 carrés. Rien qu'à lui. Mais c'est ça. À moins que je finirais par lui. C'est sympa.
Mais en tout cas, ça me plaît vraiment beaucoup. Puis, mais on verra bien, hein. Ça se peut que je fasse à ma tête puis je recommence pareil, même sans salle. Mais on verra. Après ça, on a les fils. Ces guêtres sont encore toutes disponibles, hein. Moi, je les ai achetés chez Fancell, mais. Je les ai vus sur les autres sites aussi. À part la toile cadeau que j'ai jamais retrouvée parce que. Ben, c'est. Bon, c'est des kits qui essayent de liquider. Donc les fils, je vous les montrerai pas toutes de même parce qu'elles sont sur petites cartonnettes. Puis, c'est ça. C'est ça, là. Bon, ok. Alors, on a des. Je vous les montrer quand même comme tantôt. Donc, on a des belles couleurs. Ça, c'est sûr, ça doit être pour le contour, là, le cadrage. Le cadrage ici. C'est comme du blanc clean. Ben, c'est le 38, 65, en fait. Fait qu'on a des belles couleurs chaudes. Des beaux roses, des violets, des turquoises, des bleus, des rouges, des oranges. Ben, tu sais, c'est un dessin animé, hein. Fait que. Faut pas s'attendre à du brun puis du noir trop trop, là. Il y en a, là. Parce que le centre, il va être quand même en brun. Ben, je sais pas, il est où. T'sais, ça, c'est celle-là du noir. Mais il est où le brun? J'ai dû. Comme aubergine, là. C'est peut-être lui qui prenne pour le brun. Je sais pas. J'ai du brun là aussi. En tout cas. Ça. Mais ça, c'est brun plus clair. Ça me surprend que ce soit ça. Mais il y a quand même beaucoup de tons de brun dans juste dans l'image. Il y en a. Ben, c'est sûr. Là. Il y en a là dans le fond. Lui dans le fond. Lui ici, il y a du fond. Puis il y a le poulet. Lui, il va avoir du brun aussi. Lui, ici. Et tu sais, il y a quand même beaucoup de brun. Fait que, en tout cas, mais tu sais, au travers des couleurs, tu sais, du vert puis du rouge, tu sais, ça doit être beau. Mais, c'est ça. Fait que ça, ce kit-là, je sais plus combien il coûtait non plus. Je suis pas fine, hein. Je vous ai fait un. J'ai fait une vidéo, mais sans aller recueillir les informations. Fait que. Je suis désolée, mais c'est ça. C'est une vidéo vite vite que je vous fais. Alors on va remettre ça. Mais ça vous donne quand même une idée quand même là, si jamais c'est des kits qui vous intéressent. Mais tu sais, j'ai fait quand même une grosse commande, puis ça m'a coûté, je pense, c'était 60 $, je pense. Tu sais, j'ai quand même beaucoup de trucs. Là. Ensuite, le dernier kit. Et non le moins. Parce que j'ai fini par essayer. C'est une boîte. Comme ceci. Alors, c'est mon premier kit Spring. Depuis le temps que j'en entends parler. Puis que. Ouais. Je regarde là et puis je calcule. Puis, ben, que j'essaye pas. Parce que, c'est ça. Souvent, ben, pas souvent, mais tu sais, c'est des images qui me plaisent pas tant. Tu sais, il y a des images qui ont l'air un peu enfantines. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui me rejoignait vraiment. Mais là, j'ai décidé de commander celle-là. Fait qu'en fait, elle va demain. Mais j'ai pas du bobo. Fait que c'est une 14 CT. Puis, ça vient dans une belle boîte demain. Puis elle mesure. Ben, j'ai la mesure là. Mais je suis pas sûre que c'est la mesure 14 CT. Parce que ils disent qu'ils l'ont en 11. Mais moi, je l'ai jamais trouvé en 11. Fait que, en tout cas. On va regarder, c'est peut-être marqué sur la toile. Fait qu'on a les feuilles patron. Je vais vous mettre de côté.
Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu veux participer? Oui. Mais oui. C'est pas facile, hein? Oui. Bon. Après avoir flatté le chat. Montrer les patrons. Oh, ils sont sûrs. Ouais. C'est ça que Laura disait. Ils sont brochés. Ils sont... Bon. OK. Alors que je vous montre pas toutes les patrons séparément parce que, ben, c'est ça. Là. Ça me donne pas d'enlever la broche. Mais je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Fait que, vous savez... Tu sais, c'est quand même... c'est gland, là. C'est pas les patrons de DIY. Fait que, tu sais, c'est très bien détaillé. Puis, on va regarder sur ce kit-là. Comment qu'on a de couleur. Oh, pas là. Un petit peu. OK. Comment qu'on a de couleurs? C'est pas marqué. Ah oui, c'est marqué. OK. On a ça. Ça, c'est toutes des full stitch. Fait que c'est toutes des croix pleines. Fait que... C'est ça. Il y en a beaucoup. Fait qu'ici, on se rend jusqu'à 68. Fait que c'est pas de mélange. C'est vraiment toutes des fils en croix. Fait qu'on a deux légendes. En fait, la légende. Il y a une colonne pour la toile, puis une colonne pour le patron. Fait qu'on va essayer de trouver. C'est du J. Avoir les symboles, là, je suis pas mal sûr que la première colonne, c'est pour la toile. Puis la deuxième, pour le patron. Parce que ici, j'ai du H, mettons. Est-ce que j'ai du H là-dedans? Ah oui, il est là. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu comme Jason Day. Les kits de Jason Day, c'est ça. Ils ont pas le même... c'est pas les mêmes symboles sur la toile que sur le patron. Mais en bout de ligne, ça fait la même affaire. Mais bon. Puis, ça continue ici. Fait qu'on a 83 couleurs. En quoi plaît? On a... Oh, ça continue là. Bon, 88 couleurs en croix pleine. Ouais. Puis après, on a des croix pleines, mais en mélange. Parce que vous avez ici les numéros des couleurs. Fait que, vu que c'est du 14CT, il faut prendre deux brins. Puis, pour les mix, dans le fond, il faut prendre un brin de 4, puis un brin de 10. Fait qu'on a quand même 7, c'est ça? 2, 4, 6, 7, oui, 7 couleurs mix. Puis, ben, c'est pour ça que j'ai pris ce kit-là. Ben, cette compagnie-là, parce que je sais qu'ils ont souvent des mix. Ils ont des fois, ils ont des fils métalliques. Alors, ma mère m'a envoyé un texto, mais je comprends pas ce qu'il me dit. Ouais, ça m'a un peu troublée. Ils ont des fils métalliques, mais là, j'ai pas de fils métalliques. Mais c'est vrai parce que. On va essayer de. Hein, on va essayer de s'organiser de même, là, quand même. Fait que. Si vous avez vu, la toile est divisée en 6 pages. Fait que là, je vous ai pas montré toutes les pages, là, parce que c'est broché, puis. C'est un peu chaotique. Puis, on va regarder la toile. On va finir par l'effet de la fin. Alors, la toile. La toile est emballée dans son propre plastique. C'est-tu pas génial? Puis, Ah, elle sent moins fort que quand que je l'ai reçue. Parce que quand je l'ai reçue, j'ai ouvert la boîte, ça va. Puis, la toile, elle sentait pas hyper, hyper bonne. Mais bon, là, ça a l'air moins pire. Fait que ça, c'est la toile. C'est en 14CT. Moi, quand j'ai commandé, dans mes souvenirs, c'était pas aussi clair. Mais... C'est ça. Fait qu'on va faire quand même. Hein. C'est ça. Fait qu'on a la charte. La légende. Tout le long. Tout jusqu'en haut. Vraiment, partout. Puis,
Je sais pas l'impression là-dessus, combien que ça va être. Parce que là, en 14, avec 88 couleurs, ben, c'est quand même pas pire, hein? C'est surprenant quand même. Parce que, ouais. Sinon, ben, les patrons sont super. Sont super grands, puis ils sont super détaillés. Puis, c'est pas vraiment confetti, là. Tu sais, même là, tu sais, ça suit. Mais, ouais. Puis, tu sais, elle est quand même pas trop laide non plus. Fait que c'est super comme. Comme toi. Ensuite. Là, je regarde si on a notre glis. Ah oui, elle est là. Et les mics sont en haut, là. Fait que je pense pas qu'il y en ait vraiment beaucoup non plus de mix à faire. Mais en tout cas. Bon, fait que ça, c'est la toile. Nous avons les fils. J'ai trois plaquettes de fils. On va commencer par la première. Ouais, ça, c'est la première. Fait que là, les fils de spring. C'est comme des fils plus rudes. C'est pas des fils doux. Fait que. C'est ça, là. Je pense que c'est pas la même sorte de fil. Fait que quand on va ranger nos surplus de fils, moi, je pense que je les mettrai pas ensemble. Parce que j'ai un kit de DMC. Ça ressemble à des fils de même. Fait que je voudrais pas mélanger les fils chinois. Et c'est là qu'il disait que, elle disait que c'était du fil égyptien, je pense, dans Spring. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous savez, mais c'est ça, c'est pas les mêmes. C'est pas le même toucher, là. C'est vraiment rude. En tout cas. Mais qu'on a du bleu, du violet, du brun, du vert. Tu sais, c'est des belles couleurs, là. L'image, là, est assez colorée, quand même. Après ça, de l'autre côté, on a ces belles couleurs-là. Avec des beaux bleus. Puis, on n'a pas de tresse. Fait que vraiment, ce qu'on a là, c'est ce qu'on a besoin. Fait qu'on n'a pas de surplus en tresse. Que je vous laisse là. Après ça, deuxième cartonnette. Nous avons. Ici, ces petites couleurs-là. Donc, on a des couleurs pastel un petit peu. Encore du bleu. Du rose. Ça, c'est un brun. Du petit rose encore. Des beaux bleus. Des beiges, des roses. Du brun. Un petit vert. Puis des petits oranges brûlés, puis des bruns. Ça. Puis la dernière. Ah non, il y a 89 couleurs. D'avoir une couleur mixte, probablement, que j'ai pas vu tantôt. Donc ici, on est plus dans le rose. Le violet, le rose, du turquoise, d'autres violets. Ensuite, encore du bleu et du turquoise. Puis, justement, j'ai un violet là, qui est 89. Fait que, on va regarder sur nos. Ça fait quand même beau là, comme fil là. Ça fait des belles cartonnettes. Fait qu'on va regarder sur notre patron. À 89, je sais pas ce qu'il vaut. Ah, il est là. Ouais, c'est pour un mix. Parce que ici, ça finit. Oups, vous voyez pas. Ici, ça finit à 88. Ici, on a le 89 plus 1 pour un mix. Fait que c'est pour ça qu'on a 89 couleurs. Fait que, en tout cas. C'est quand même assez grand. On n'a pas la grandeur, finalement. On a les points.
Ben, les points, c'est. Ça dit ici 210 par 279 croix. Mais j'ai pas la grandeur en centimètres. Mais je sais pas si c'est. Oh, on l'a ici. Là, c'est là pour les croix. Puis ici, 14, c'était 48 par 59 cm. Ah, hein? J'ai pas bien regardé. Fait que c'est ça, cette toile-là. Fait que. Je sais pas quand que je vais commencer ce kit-là. Parce que. Ben déjà. Que c'est du 14 cm. Une grande toile comme ça. Puis là, pour le moment, j'ai quand même beaucoup de salle en cours. Puis cette toile-là ne peut pas fitter dans. Mais je peux pas dire qu'elle peut pas fitter dans aucun salle. Elle pourrait, mais j'ai déjà prévu des trucs dans. Mettons pour le salle été à frais, sûrement. Mais j'ai déjà une toile prévue pour la salle été. Fait que c'est ça. Mais de toute façon, une 14 CT de sa grandeur-là, je préférerais la faire sans salle. Sans. Pas dire sans pression, parce que les salles sont sans pression quand même, mais. Tu sais, la faire vraiment. En tout cas, sans. Pas comment dire, hein, mais. En tout cas. Juste de mon côté, pas rien. Fait que. Je sais pas quand. Mais éventuellement. Là, je sais pas si ma boîte va refermer. Parce que. Puis est-ce que c'est vraiment. T'sais, oui, c'est fun d'avoir une boîte de main, mais est-ce que c'est vraiment pratique ranger. Ben pour ranger, oui, mais quand on fait la toile, je sais pas si je vais garder dans la boîte. C'est ça. Le code QR qui est là, je sais pas quoi que c'est. Je sais pas. Parce qu'on s'entend que c'est écrit en chinois partout, là. Ben je sais pas à quoi que c'est si. Il nous met peut-être le patron en PDF. Je sais pas. En tout cas, faudrait essayer. Mais c'est ça. Donc, je vais juste vous montrer le paquet que j'avais quand j'ai reçu mon colis. Fait que c'était quand même un grand sac, là. C'était bien. Bien rempli. Et surtout que mon colis s'est ramassé quand même. Ah oui, j'ai un autre thème, c'est vrai. Puis mon colis, j'ai eu un pépin parce que ça disait qu'il avait été livré. Mais moi, je le trouvais pas. Puis ça m'a pris une soirée le chercher. J'ai même cogné sur mon deuxième voisin qui ont. Que je pensais qu'il avait eu mon colis parce que je l'avais vu aller chercher un colis. Mais je pensais que c'était lui qui avait mon colis. Puis son adresse ressemble beaucoup à la mienne. Puis finalement, non, c'était pas mon colis. Puis, pour finalement trouver mon colis en fin de soirée, donc ça faisait comme 4 fois que je faisais le tour de la maison, à côté de ma poubelle d'or. Fait que, c'est ça. C'était pas mal fun. Mais bon, je l'ai trouvé. Mais tu parles d'une place, mais ton colis, toi, à côté de la poubelle. Ah, trop. Ouais, le dernier truc que j'ai commandé, c'est un accessoire. C'est ceci. Fait que j'en avais un rose, puis ça fait vraiment bien. On a les deux crochets, un petit puis un grand. On a aussi l'enfil d'aiguille de en métal. Là. Puis ici, on peut couper tout le long. Fait que ça sert comme de ciseaux. Peut-être là aussi, mais moi je coupe avec ici là. Fait que ça fait vraiment bien. L'autre que j'ai déjà à maison, c'était le rose. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais reprendre le bleu. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commandé ça.
Puis, vous me direz en commentaire si ben, toutes ces kits-là vous plaisent. Fait qu'on a la Spring. On a la 4 saisons ici. On a après ça la Lolitune. Après ça, j'avais pris ben, le cadeau. Le cadeau de Totoro. Il me semble que c'est ça. La tête d'oreiller. On voit pas très bien. Ok, ici la tête d'oreiller d'Alice et le diamant painting de Titi. Puis avec mon petit enfil aiguille. Mon petit enfil aiguille est bien pratique quand même. Fait que c'est ça. Fait que dites-moi en commentaire si ces produits-là vous plaisent. Puis si vous avez déjà essayé un de ces produits. Puis qu'est-ce que vous en pensez? Surtout là, mettons, le Spring. Parce que le Spring, moi, c'est une nouveauté pour moi, le Spring, parce que j'osais pas commander. Puis c'est ça. Puis finalement, ben j'ai commandé, mais une grosse affaire. Fait que merci d'avoir écouté ma vidéo. Puis on se retrouve bientôt. Bye!